Mais si tu éloignes la personne, si tu la déconsidères, et cette personne, s'il y a quelque chose en lui, elle ne va pas te dire. La Bible nous enseigne que tellement que cette fillette habitait très bien dans la maison du commandant. Et cette fillette-là avait donné la confiance à la femme du commandant. Et la fillette lui dit quelque chose. Ceux qui accueillent dans mon cas, si le commandant s'élève et part dans notre village natal, à cause d'un prophète Azaritouma, à voici sa maladie. Et nous avons un grand prophète qui a la capacité de guérir ce commandant. Amen. 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 Ce qui a dans mon cas, si la femme là elle n'était pas en bonne relation avec cette fillette. Et la femme, cette fillette avait, n'avait pas cette capacité là de dire à la femme. Nous est demandé d'être un peu en bonne relation avec les gens qui sont à côté de nous. La personne que toi tu refuses, quand il vient, toi tu passes à côté, tu les négliges. Parfois, il y a des places que Dieu a permis pour te bénir. Donc, nous sommes appelés à être en bonne relation avec les gens qui sont à côté de nous. J'ai voulu vous rencontrer quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Maman, je vais vous dire que vous avez dit 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 j'avais commis deux personnes, deux garçons. Ces garçons venaient dans ma maison. Elles venaient pour rencontrer. Pour leur visiter. Alors quand moi j'étais là, chaque fois. À chaque fois que ces garçons venaient dans la maison, je leur posais la question, vous êtes venus? Je leur donnais le sucre, quelque chose pour boire. Et d'habitude, je prenais quelque chose et leur donnais pour le transport. Mais les gestes que j'ai posés, je ne savais pas que ces petits gestes que j'ai posés, ça peut payer un jour. Là, ce sont des voix de Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'était passé? Dans le business que je faisais à cette époque-là, c'était un événement de fer.
Ce sont mis ma marchandise. Ma cousine a trouvé dans la Kinshasa. Et nous avons acheté le marchandise avec mon cousin et nous sommes partis à Kinshasa. Un Sénégalais, a traversé à Kébraza, a eu de et là, nous avons donné les marchandises à un Sénégalais, et ce Sénégalais était parti à Brazzaville, mais il nous a dit d'attendre. Mais parce qu'on a mis ce qu'on a, commerce n'a mis ce Zalaki. Ce qu'on a Zalaki, il a 30 000 naïons. Au cours de Batena, on a 10 000, on a tiré à l'Anda, on a utilisé 20 000. C'est au contraire qu'on a mis un supporter au gagnant. À cette époque-là, on donnait tout ce que nous. Tout ce que on est. Tout, on donnait tout. Donc nous avons donné tout ce qui était à nous. Mais nous étions même vides. Dans ce cas, nous sommes dans le Mujimai. Là, c'était à Kinshasa et moi je me suis dit, je rentre à Mujimai. Amen. Amen. Tant on a commis, on a coûté, on a fait un peu de temps. On a fait un peu de servir. Le corps m'a dit, il y a un peu de temps. Non, quand on a bango, avec tout ça là, na usine à Biba et à Triage. Quand je suis rentré là-bas au Mujima et j'ai rencontré ces garçons-là, et ces garçons-là avaient un grand parent, Amen. Amen. Mais quand la première fois, na là, le lendemain, on est baillé. Et le lendemain, j'ai rencontré ces garçons. J'étais joyeux et j'ai dit, vous êtes venu. Et j'ai dit mon histoire. Ils m'ont rencontré une histoire qu'ils ont un grand parent qui travaille dans le triage. Alors rencontrer ses grands-parents. Même pas un rond la poche. À cette époque-là, je n'avais quand même pas un sou. J'avais gaspillé cet argent que j'avais donné à ces Sénégalais. Jusqu'à présent, je ne l'ai même pas trouvé. Tant que je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé. Si vous avez un Je me disais au fond de moi, si ce grand-parent me demande d'acheter quelque chose, moi je n'ai rien, je vais faire comment? Ceux qui ont la relation à Madame Nabato, la relation à Madame Kosovo. Les amis, donc on a ensemble, à Koki, au titre de la moto, au toit, les hommes à Koukote, dans le moment où je suis en âme à Koukote, à Bélério. Donc nous devons garder nos relations parce que. Avec nos bonnes relations, Dieu peut passer par là pour nous bénir. Quand nous sommes arrivés, maman, papa, on a tenu ma petite. J'ai vu que c'est papa qui s'est élevé et nous a salué. Et il nous laisse une place. Tofandi. Et nous sommes assis. Et il commence à nous rendre. Il me pose la question. Ce qui n'a pas de il voulait savoir si j'habite où. J'ai raconté ma petite histoire. Il était un peu touché. Et je le vois s'élever et partir. Il m'appelle moi seul. Et je le vois sortir une petite pierre. Et il me donne cette petite pierre. Il me dit, tu vas me donner quelque chose. Je me disais, si j'ai dit une petite somme, elle va dire comment. Nathalie était dans le but, papa. Il y aura. Et je lui dis, moi je suis un homme qui s'est élevé pour marier ta fille. Comme ta fille. Nathalie était dans le but, moi, je suis un homme qui s'est élevé pour marier ta fille.
C'est pas à moi de décider soit d'imposer le prix, soit le montant, c'est à toi de me dire. Si Dieu s'élève pour te bénir, assis à l'ombre. Amen. Amen. Amen.